Bonjour, jour 15 de ce temps de l'Avent. Délicatesse. Il arrive, même avec toute la bonne volonté du monde, que je fasse les choses en force. Or, la vie n'a que faire de ma force. Forcer ne mène pas à grand-chose. Alors aujourd'hui, je vous propose ce temps de la délicatesse. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé de l'inspire, de l'expire. Je vous invite à reprendre cet inspire et cet inspire sans forcer. Comme si finalement il n'y avait aucun effort à faire, ou en tout cas l'effort d'être délicat, ce qui est déjà un effort, mais sans forcer, sans pousser au maximum ma cage thoracique et m'étirer. Juste accueillir le souffle, la délicatesse de l'inspire, la délicatesse de l'expire. Cette délicatesse, c'est celle qui fait que, voilà, je vous proposais un moment de vous accompagner, d'être doux avec vous-même pour vous rassurer, vous. Mais parfois, même en voulant être doux, bon, allez, vas-y, hein, vous sentez qu'il y a du, ouf, il y a du peps derrière. Moi, allez, maintenant, je me regarde dans le miroir et je m'aime. Bon, bah, ce « je m'aime », il n'est pas toujours très délicat. Donc aujourd'hui, comme Dolores Solémieux nous le propose souvent, ce n'est pas tellement, entre guillemets, se forcer à s'aimer, mais déjà apprendre à ne pas se désaimer. Aujourd'hui, si je me rends compte que j'ai été sévère et que peut-être je le suis encore avec moi-même ou avec d'autres, Je prends conscience aujourd'hui que je suis mon allié et que la délicatesse est mon allié aussi. Qu'être juste, c'est important pour continuer ma quête, mon cheminement. Aujourd'hui, j'apprends la délicatesse. Je m'ouvre à la délicatesse. Ce qui n'empêche pas une certaine fermeté.